Et bonjour à tous, c'est Madu29. Donc du coup on se retrouve pour deux épisodes donc, sur Exploitation Agricole Simulator Pro 2014. Donc ce qu'on va faire, non c'est pas ça que je voulais faire. Donc on va tout simplement déchaumer tous nos champs, cette session là. J'ai dans l'idée de... Alors en fait je viens de m'acheter, je vais recevoir dans quelques jours... Donc on a une carte d'acquisition à mettre dans le PC pour pouvoir tout simplement pouvoir brancher mettre ma PS3 sur mon PC quoi. Faire des let's play, montrer un peu la carrière sur farming, du moins sur la console. Parce que là j'ai une partie que j'avais commencé il y a quelques temps déjà. Je suis arrivé à avoir quand même pas mal de choses pour montrer un peu. Alors j'ai pas recommencé une carrière parce que c'est long à faire. Dans les prochains jours il y aura ça. Donc du coup je vais revoir mes idées de carrière, mes carrières, mes vidéos, comment faire, qu'est-ce que je vais faire. Donc en fait il y aura peut-être alors ça va être une semaine sur deux quoi, ça va changer d'épisode, changer de jeu. Donc il y a une semaine il y aura du exploitation agricole avec du farming sur PC, donc c'est-à-dire sur Andreas Map et du OTS2 ainsi que du OMC2 du coup. Et puis les autres épisodes ce sera du Car Mechanic Simulator, donc FS, du farming sur console et sinon du test d'un outil et puis du bus, du European Bus Simulator 2012. Donc voilà comment ça va se passer pour les vidéos, l'enregistrement des vidéos. Après vous verrez, j'enregistrerai, là j'ai encore quelques semaines avant d'arriver en... avant d'être pris dans ma formation qui va normalement débuter. Alors ça dépend de laquelle, il y a une qui sera en août et l'autre qui sera je ferai une des deux, mais bon après il y en a une qui est en août et l'autre en octobre. Donc voilà, je peux rien dire de plus. Mais à part ça, donc là on va déchemer. Alors sur ces épisodes là on va déchemer. Oui d'accord. Donc logiquement elle devrait arriver dans quelques jours. Donc, je pense que pour la prochaine, pour les prochains épisodes, pour les prochaines sessions, il y aura la carte d'acquisition. Je vais peut-être trop vite. Oh. Pourquoi ça saute comme ça? Voilà. Après, y a rien de plus. Sauf qu'il y aura un peu plus de jeu. Je vais faire tourner un peu les jeux. Donc, je ferai un enregistrement. Toujours des épisodes, mais en fait, il y aura. 20 en fait, 20 en fait j'aurai il y aura deux genres de sessions en fait. Il y aura des sessions avec tel et tel en fait avec du coup ça fait 1, 2, 3, 4 jeux en fait avec 8 jeux. Donc il y aura une session avec 8, non avec 4 et une autre session avec 4 autres. Donc les premières sessions, donc pas les premières mais donc sur une session d'enregistrement il y aura par exemple la première il y aura exploitation agricole, donc exploitation agricole Andreas Map qui sera à la fin. En fait tout ce qui est du farming ce sera à la fin, en dernier de la session, en dernier
sur le dernier enregistrement de la session. Donc le multi et le TS2 ce sera sur le deuxième. L'European Bus sur le deuxième. FS Farming sur PS3 sera sur le deuxième épisode, deuxième session. Et Car Mécanique Simulator pareil. Voilà comment je vais faire, comment je vais m'organiser sur en fait les épisodes que je ce que j'ai envie de proposer quoi. Donc ça va un peu vous changer, il y aura la nouveauté c'est farming sur console que j'ai envie de faire et puis comme ça vous verrez l'avancement de combien d'argent pour savoir en fait je suis dans les moins, je dois avoir moins 5000 ou un truc comme ça. Alors faut savoir que j'ai deux champs, bon ça je vous expliquerai tout, je vous parlerai un peu plus de ça sur farming tout à l'heure. Donc on verra ça dans farming, sinon dans ce jeu il n'y a pas une nouvelle mise à jour dans l'exploitation. Donc à mon avis le porte-coupe ne sera pas encore bien opérationnel. Pourtant ça serait mieux. Mais bon ils sont assez chiants. Parce que bon c'est quand même mieux si on pouvait avoir transporter par exemple les coupes, mettre la coupe à céréales sur le porte-coupe. Et la transporter en cas où qu'on ait besoin quand on va faire plusieurs champs ou même pour aller jusqu'au champ parce que ça prend de la place sur la route, c'est assez quand même assez volumineux en place les coupes, donc quand on peut pas les transporter et les mettre derrière c'est un peu embêtant comme dans farming. Alors ça après je dirais, ouais, je l'ai déjà dit mais je crois que je vais au niveau de du porte-coupe de la classe sélection, je l'ai modifié en fait, j'ai mis un il y avait déjà un point d'attache pour la coupe sur le porte-coupe mais en fait j'ai mis au milieu au niveau de l'attache qui sert à attacher sur la moissonneuse en fait, comme ça du coup il s'attache tout seul. Alors, du coup, donc ici, on a presque, on a fait la moitié du champ presque. Donc j'ai préféré, en fait maintenant je pense que quand je commence quelque chose, je commencerai toujours par ce champ parce que ce champ il est vachement grand et que bon, vaut mieux le commencer par celui-là vu qu'il est grand. Comme ça après, ça va plus vite, les autres champs vont plus vite, celui-là c'est plus grand. Celui-là fait un 80, après il y en a un qui fait un 30, 0,60 à côté je crois, et 0,30 le premier je crois. Il me semble que c'est comme ça. Alors ça durera depuis quelques temps, mon micro a changé de place, donc du coup on entend moins mon volant et puis on entend plus ma voix, ce qui est largement mieux au niveau qualité de son et tout ça. Donc, du coup, on entend moins fort parce que mon volant en fait comme il était posé, comme mon volant est sur mon bureau et que mon micro était sur mon bureau, en fait ce qu'on entendait plus les vibrations de mon volant que le son de ma voix. Donc j'ai décidé tout simplement de fabriquer un support pour poser mon micro en fait, pour mettre mon micro devant moi et en fait le poser carrément sur mon siège, ce qui permet quand même d'avoir une meilleure qualité de son parce qu'en fait le micro est devant moi et non pas 20-30 cm quoi, on va dire. Ouais, il était à peu près à ça quoi avant, même 40 voire un peu plus que ça. Bon, ça fait quoi c'est ça 50 cm à peu près quoi. Maintenant il doit être à, je crois
crois que j'ai dit 10 l'autre jour, l'autre fois. Donc c'est un peu mieux quand même. Ouais, le Tadis ou. Ouais, en tout cas, il est plus près de moi. Et en fait, on ressent plus, on n'entend plus les vibrations de mon volant. Parce que c'est vrai que quand je l'entendais, on entendait vachement fort mon volant, ça commençait à m'énerver. Du coup, j'ai préféré, en fait, je me suis dit, je vais remédier à ça. Je vais améliorer la qualité du son et l'enregistrement. Et ça y est, donc c'est bon, c'est fait. Donc c'est mieux. Hop. Alors du coup, qu'est-ce qui reste? Donc là, on a dû faire à peu près la moitié du champ, je pense. À peu près, quoi, environ. Hop. Ouais, 55, on est à la moitié du champ. Donc, on finit l'épisode bientôt. Et après, donc, on recommencera, à mon avis, sur ce champ. Puis après, on ira sur le champ d'à côté, et ainsi de suite. On verra si on a le temps de finir. À mon avis, ça sera un peu. On verra bien comment ça se passera. L'important, c'est d'avancer et de travailler. Surtout travailler. Alors, ben on verra bien si les jeux que je vous propose, ben, du point le jeu de voiture là, de mécanicien de voiture là, ça vous plaît. Après, farming sur console, ben ça. Je vais essayer d'avancer un peu ma carrière parce qu'en fait, j'avais le temps avant de pouvoir jouer en même temps que je faisais les rendus, mais là, je pense que j'ai pas grand chose à faire entre. Quoique, j'ai toujours le temps. Hein. Mais bon. Maintenant, je pense que vu que j'aurai bientôt la carte d'acquisition, ce sera encore mieux. Je vais pouvoir tout simplement faire ça, quoi. Effectuer des vidéos, faire des vidéos dessus, tout simplement. Puis montrer ma progression. Faut savoir que j'expliquerai un peu plus après en détail. Comment j'ai avancé, faut savoir que je n'ai pas pu tricher forcément. Au niveau de l'argent, on peut pas se mettre l'argent qu'on veut, on est obligé de faire avec ce qu'on a au début. Donc ça, j'expliquerai comment j'ai avancé, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Alors soit j'explique dans les épisodes de farming de ces épisodes-là. Soit je fais quand je suis sur PS3, on va voir. Je verrai bien. Je pense que j'expliquerai. Ça dépend. Si j'y pense, je penserai à l'expliquer. Sinon, je ferai ça pendant l'épisode sur PS3. Parce que là, on est dans un autre jeu, on n'est pas dans Farming. Donc, c'est pas le moment d'expliquer ça. Du coup, on se dit à tout de suite dans le deuxième épisode sur la fin de ce champ et le début de l'autre. Donc, on se dit à tout de suite, les amis.